Salut à toutes et à tous, c'est Telokis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super, on se retrouve pour ce cinquième épisode de notre Let's Play sur Agrarian Skies 2. Alors, la dernière fois, on avait fait cette petite production table, on avait fait un stone chopper qui coupe automatiquement cet arbre une fois qu'il est coupé. Une fois qu'il a poussé, pardon. On avait fait notre petit transfert node et notre world interaction upgrade, qui mine automatiquement de la cobblestone pour nous et la range dans ce petit barrel. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on en a 3000 presque. Donc c'est un très bon nombre pour commencer, on est tranquille. Entre les épisodes, j'ai fait un petit peu de taf. Donc avant tout, j'ai été tuer les monstres qui commençaient à être nombreux. Puis ça m'a permis de me refaire un petit peu de nourriture. Sur les monstres, j'ai obtenu des potions de soins, donc les sorcières. Et j'ai eu la chance d'avoir un lingot d'or. Donc ça c'est très très cool, j'ai eu vraiment de la chance sur ce coup là. Entre les épisodes toujours, j'ai enlevé tous les barils qu'on avait ici. Parce que maintenant qu'on a une source infinie d'eau, on s'en fout un peu. On peut les remplir à la main. D'ailleurs j'ai fait un seau en fer. Pour pouvoir justement récupérer l'eau ici, la mettre dans un baril. Comme ça là, et ensuite faire de l'argile. Alors pour rappel, pour faire de l'argile, il suffit juste de mettre de la poussière dans un baril rempli d'eau, et ça fait de l'argile. J'ai aussi fait un marteau en fer, parce que j'ai miné beaucoup de cobblestone, donc il me fallait moyen de un truc un peu plus rapide, parce que sinon c'était assez chiant, mine de rien. Du coup, je propose sans plus tarder de nous lancer dans ce qu'on avait prévu de faire, à savoir la fonderie de Tinker's Construct. Alors Tinker's Construct, c'est un mode qui va nous permettre du coup de faire nos propres outils. On l'avait déjà vu avec ces petits objets là, notre matoc qui provient de ce mode. Mais ça nous permet aussi de faire des trucs un petit peu plus avancés, parce que pour l'instant on a juste pu utiliser le part builder pour créer nos morceaux d'outils. Mais c'est pas très utile, vous voyez, on peut uniquement faire avec des matériaux de base, on peut pas utiliser de métaux. Donc du coup, la fonderie va nous permettre de faire ça justement, d'utiliser des métaux. Donc ce sera beaucoup plus intéressant pour faire de gros outils. Alors pour ce faire, il nous fallait du coup des cire de briques, qui sont l'élément de base pour fabriquer tous les composants, que vous pouvez voir ici. Et pour faire des cire de briques, il nous fallait du grout, qu'on fait cuire. Alors pour faire du grout, il nous faut du gravier, du sable et de la clay. Et je vous avais dit que je m'occuperais de ça entre les épisodes, pour qu'on ait juste à se lancer. Et c'est chose faite. Donc on peut voir que j'ai récupéré un stack de gravier, un stack de sable et 16 clay. Donc ça nous permet de faire exactement 128 grout. Comme ceci, vous pouvez voir. Hop, 128 grout. Voilà, 2 fois 64. Et on va tout de suite le faire cuire pour obtenir des cire de briques. Alors les cire de briques vont être le composant de base en fait de la fonderie, parce que en plus donc des objets de base, genre le contrôleur qui doit être obligatoirement présent, la smeltery drain qui nous permet d'extraire les liquides de la fonderie pour les mettre dans un moule, la casting table sur laquelle on met le moule pour faire couler les liquides, le cire tank dans lequel on stocke la lave pour alimenter la fonderie. Bon bah, en plus de tout ça, il va nous falloir des cire de briques normales, qui sont juste 4 cire de briques comme ça, qui sont un bloc et qui vont nous permettre en fait de construire la structure en elle-même. Donc c'est pas la fonderie, c'est pas juste un bloc comme cette production table par exemple, c'est ce qu'on appelle un multi-bloc. Donc un multi-bloc, c'est assez explicite, c'est un bloc, enfin c'est une entité qui est composée de plusieurs blocs. Voilà. Donc la particularité, c'est qu'on peut lui faire avoir les dimensions qu'on veut. On peut faire une zone de 3x3 au sol, une zone de 2x2, de 1x1, etc. Et en fait, selon la taille qu'on choisit, on va pouvoir faire cuire plus ou moins de matériaux à la fois. Donc nous, on va partir sur du classique, hein. Pour commencer, on va faire un 3x3. Je pense qu'on va l'installer ici, c'est pas mal, ça me semble pas mal. 3x3, et ensuite on agrandira plus tard, si besoin, en largeur et en longueur. Mais dans tous les cas, on peut toujours l'agrandir en hauteur. Donc ça compte, hein, c'est valide, donc du coup on peut s'occuper de ça. Entre les épisodes d'ailleurs, j'ai eu de la mosstone.
Donc la Moss Stone, c'était une quête en plus, je crois. Si je dis pas de bêtises, Mossy Repair. Ah, il nous fallait une Ball of Moss. Ok. Donc en fait, la Moss Stone, pour l'obtenir, c'est simple. Il nous faut un baril, comme celui-là, rempli d'eau. Et il faut poser un bloc de cobblestone à côté, ou en dessous. Et au bout d'un certain temps, la cobblestone va se changer en Moss Stone. Donc en fait, c'était juste pendant que je faisais du gravier, je l'ai posé ici. Et ça s'est transformé sans que je le veuille. Donc, tant mieux d'un côté. Enfin, peu importe en fait. Donc, comme ça, on en a. Si jamais on en a besoin, on en a. On commence à avoir quelques petites briques. Du coup, on va pouvoir se lancer. Alors, comme le montre notre journal de quête, on va avoir besoin de faire un objet de chaque type. Donc, ça, c'est la base. Alors, un tank, un contrôleur, un drain et 16 briques. Donc, alors, on va de suite faire ça. Je crois que. Donc, contrôleur. Ah, on a obtenu un bouquin. Alors, drain. Pour le tank, il va nous falloir du verre. J'ai pas de verre, du coup, je vais détruire un morceau de cobblestone pour en faire du verre. Enfin, pour en faire du sable que je vais faire fondre vite fait. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais remettre le groute à fondre, évidemment. Donc voilà, le tank. Et pour finir, il va nous falloir des briques. Donc il en faut 16, on n'a pas assez pour l'instant. Du coup, on va attendre que ça continue, que ça cuise un petit peu plus. Alors, le bouquin qu'on a eu, c'est un bouquin qui va un petit peu nous expliquer le fonctionnement de Tinker's Construct en termes de fonderie. Personnellement, j'en ai pas besoin, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, la fonderie ressemble à ça. C'est un multi-bloc. Celle-là fait 3 x 3, comme vous pouvez le voir là. C'est l'intérieur qui compte, hein. Même si l'extérieur fait plus de 3 x 3, c'est l'intérieur qui compte pour les objets. Ensuite, voilà, vous voyez, on fait couler le métal sur la casting table. Donc là, ça nous montre les recettes. Enfin bref, de toute façon, je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Pas besoin de regarder ce bouquin. Après, bien sûr, si vous voulez le lire de votre côté, faites-vous plaisir. Hein, je vais pas vous en empêcher. Du coup, voilà. Pour l'instant, je fais exactement le compte au cas où, juste pour valider la quête. Donc là, la quête est validée. On peut voir qu'on obtient un moule d'engrenage. Alors, c'est très utile parce que les engrenages vont être très pratiques dès qu'on va vouloir se lancer un petit peu dans les machines un minimum avancées. Donc du coup, ça va être très sympa parce que ça nous permet, ça nous fait, ça fait qu'on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. Je récupère la récompense et j'obtiens mon gear. Alors, voyons voir ce que c'est. Ah, notre petit Stone Chopper va pouvoir couper l'arbre, c'est cool. Alors, du coup, on a débloqué la quête suivante qui va être casting. Donc là, une fois de plus, ça vous explique un petit peu le fonctionnement global. N'hésitez pas à lire si jamais vous lancez vous-même sur Iron Skies 2. N'hésitez pas à bien lire les quêtes. Parce qu'en général, elle vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir. Et si vous trouvez pas assez d'informations, lisez les livres. Voilà, c'est le petit conseil que je peux vous donner. Après, si vous avez de l'expérience, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous vous démerdez comme vous êtes grand. Enfin bref, casting table. Nous allons la fabriquer tout de suite. Alors, on a nos trucs qui ont continué à cuire, ça fait plaisir. Casting table, paf, ça c'est fait. Du coup, on va pouvoir un petit peu se lancer. Il va juste nous manquer un dernier truc. C'est la fossette. Mais d'abord, je vais valider la quête. Voilà. Et alors, Iron. Iron, c'est fait déjà. On a validé la quête en avance. Growing Slimy. Donc, apparemment, cette plante peut nous procurer des slime balls. Donc, c'est toujours bon à savoir. Hein. On va voir si on... Ah, parfait, on a de la terre. On va se le planter de l'autre côté. Voilà, ici. Hop. Voilà. Puis quand ça va repousser, on pourra finir la quête du coup. Ça avance très bien même, ça avance bien, 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 bien. C'est bientôt fini. Alors en récompense de quête, on a eu toujours plus de fer, de l'aluminium brass. Ça va être très, très, très utile quand on aura la fonderie. Vous allez voir, je vais tout vous expliquer en détail. Alors l'iron ore, on peut en faire plusieurs choses. Ce que je vous conseille de faire, moi, c'est de le poser par terre et de le casser avec votre marteau. Ça va vous donner les broken ore. Donc vous voyez, j'avais 3 trucs et j'en ai eu presque assez pour faire 4. Ce qui est absolument génial.
Et ensuite, on refait comme tout à l'heure, enfin, comme dans l'épisode 4. On les décompose le maximum possible jusqu'à obtenir de la poudre. Voilà. Et ensuite, on est bon. Alors, je vais les poser ici. Voilà. Ah, j'ai plus de place. Décidément, la place commence à manquer. Ça va être... Une fois qu'on aura la fonderie, on pourra faire un petit peu plus de ressources. Ça va être cool. Donc du coup, cette fonderie, il est temps de s'y mettre. Je vais faire plus de... Ah oui, non, c'est vrai, je voulais faire une... Non, c'est bon. Je vais faire plus de briques. Alors, le principe de construction est très très simple. On fait une base, comme ceci. Ensuite, on va poser... Donc, je vais prendre de la cobblestone comme bloc de support. Voilà. Parce que il ne faut pas poser ici, le bloc. Il faut le poser à l'extérieur. Donc ici. Au-dessus de ça. Donc dans un premier temps, on va poser un contrôleur. Le contrôleur, c'est le bloc de base en fait auquel vous allez accéder pour manipuler la fonderie. Ensuite, un tank que vous allez remplir de lave pour alimenter justement la fonderie. Et le smeltery drain qui va vous permettre de, je vais pas le poser dans le sens, qui va vous permettre de poser vos métaux, enfin de faire couler vos métaux sur la casting table. Donc, d'ailleurs, il me fallait une fossette. Hop. La fossette s'enfonce comme ça dans le drain. Et en dessous de la fossette, vous posez votre casting table. Donc voilà, comme ça, jusque-là, tout va bien. Ensuite, on fait le tour avec nos briques. Oups. On fait le tour avec nos briques. On fait bien gaffe de ne pas en perdre. Parfait. Et voilà, donc là, c'est fini, on a fait tout le tour. Normalement, si le bloc est valide, vous pouvez voir que ça s'allume, le contrôleur s'allume. Donc là, si je casse ce bloc, vous voyez, il s'éteint. Et si je le mets, il s'allume. Donc du coup, on peut faire clic droit dessus et y accéder. Voilà, l'interface, elle est assez basique. Ici, vous allez avoir la quantité de lave disponible dans votre fonderie. Actuellement, le tank est vide, donc du coup, on n'en a pas. Alors on va en mettre tout de suite. Hop, je récupère un seau de lave et je le mets là-dedans. Un seau de lave, je le mets là-dedans. Un seau de lave et je le mets là-dedans. Et un seau de lave que je mets là-dedans. Voilà. Donc ça peut contenir 4 seaux de lave en tout. D'ailleurs je vais tout de suite remplir mes crucibles pour avoir toujours une quantité de lave disponible. Du coup voilà, maintenant on peut voir que notre lave est à fond. On a 4000 millibuckets de lave. Ensuite, pour ce qui est du reste de l'interface, ici, ça va être vos entrées. Donc on peut voir qu'il y a 9 cases disponibles, et en fait ça correspond aux 9 cases de vide que l'on a à l'intérieur. Donc on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases disponibles à l'intérieur de la fonderie. Si j'avais assez de ressources pour augmenter ça en hauteur, donc là il faudrait que je fasse le tour, il me manque donc 6 blocs, et bien on passerait de 9 à 18 cases disponibles ici. Pour mettre nos blocs. Et enfin, pour finir, cette interface ici va vous montrer le liquide actuellement disponible à l'intérieur de la fonderie. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout, parce que j'ai pas de minerai en train de fondre, tout simplement. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre fer, comme ça. Donc je le mets, et vous pouvez voir qu'il y a une petite barre de progression qui se met à gauche. Les blocs apparaissent dans le monde aussi, c'est sympa, ça fait... C'est un petit détail assez sympathique, on va dire. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de bien éclairer. Je vais mettre ça là plutôt. De bien éclairer les alentours. Parce que ce serait dommage que des monstres apparaissent ici. Voilà, donc là c'est bon. On a le minerai qui fond tranquillement, pas de soucis. On va manger un petit coup. Retournons voir notre livre de quête. Alors, la prochaine étape, on peut voir que c'est de faire du cuivre. Alors, le cuivre. Ça va être le même principe. Je récupère les ressources. Je les transforme en gravier. Je les pose dans le monde. Et je les casse avec mon marteau. Donc on va beaucoup faire ça hein. Au début. C'est la solution pour obtenir des ressources, évidemment, comme je vous le disais. Vu qu'on ne peut pas miner, on est obligé de trouver des solutions alternatives. Donc là, on a eu 4 poussières de cuivre. On va les faire cuire directement.
Vous pouvez voir que notre fer est bientôt terminé. Il reste une petite dernière étape dont on va avoir besoin pour récupérer des lingots à partir de la fonderie. Ça va être de faire un moule, en fait. Actuellement, comme vous pouvez le voir, on a déjà un moule d'engrenage. Alors c'est bien, sauf qu'on n'a pas envie de faire des engrenages, on a envie de faire des lingots. Du coup, il nous faut un moule de lingots. Alors comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez prendre un lingot, n'importe lequel, absolument n'importe quel type de lingot. Par exemple, je vais prendre mon lingot d'or, qui est ici. Je vais faire clic droit sur la casting table. Mon lingot d'or va se poser comme ça, comme vous pouvez le voir. Si je fais clic droit, je peux le reprendre. Et ensuite, il va falloir que je fasse couler un métal par-dessus. Par contre, petite subtilité, il faut pas faire couler n'importe quel métal. Donc par exemple, là j'ai du fer liquide d'une valeur de 6 lingots, comme vous pouvez le voir. Et bien, je peux pas le faire couler là-dessus. Vous voyez, si je fais clic droit sur ma faucette pour faire couler, et bien rien ne se passe, parce que c'est pas valide. Les seuls minerais dont on peut servir pour faire des moules, c'est soit de l'or, en l'occurrence. Donc si je fais couler de l'or là, ça va couler et ça permet de faire mon moule. Ou alors de l'aluminium brass, et comme par hasard, on en a 4 lingots. Alors il faut un lingot d'aluminium brass pour faire un moule, ou alors 2 lingots d'or. Voilà, donc c'est préférable d'utiliser l'aluminium brass quand on en a. Évidemment, on peut voir que notre cuivre a fini de fondre. Du coup, on a 8 lingots disponibles dans la fonderie. Donc là, je vais attendre que mon lingot d'aluminium brass ait fini de fondre. Et ensuite, je vais le faire couler sur mon lingot d'or pour obtenir un moule de lingots. Donc c'est la technique qu'on va utiliser pour faire tous nos moules au fil de la série. C'est une technique unique, il n'y a pas d'autre façon disponible. On peut voir d'ailleurs que la lave se consume au fur et à mesure que les lingots sont en train d'être cuits, d'être fondus. Je vais vite fait aller faire un tour ici pour faire le ménage. Alors entre les épisodes, j'ai remarqué que j'ai un creeper qui a explosé. Et en fait, ça a pas fait de dégâts. Alors je pense que les dégâts des loups se sont désactivés sur le terrain. Je savais pas, ça m'a surpris. J'ai eu un peu peur sur le coup d'ailleurs, parce qu'il y avait plein de monstres. Ça aurait été dommage que je me fasse massacrer. Et que les monstres envahissent ma base. Du coup, tant mieux. Je suis content que ce soit désactivé. On va mettre ce petit cerveau à sécher. On va ranger ici tout ce qu'on a obtenu. Non, pas le seau. Non, si, ça oui. Alors, des têtes d'Enderman. Les arcs et les... Les arcs, je les jette parce que je m'en fous. Donc là, on peut voir que notre aluminium brass a fondu. Alors là, vous pouvez voir qu'il est tout en haut. Le minerai qui va couler, quand on fait un clic droit, c'est le minerai qui est tout en bas. Donc là, en l'occurrence, ce serait le fer. Pour changer l'ordre, on a juste à cliquer. Et ça fait passer celui sur lequel on clique tout en bas. Donc là, je mets l'aluminium brass en bas. Je fais un clic droit. On peut voir que ça se remplit. Et voilà, j'ai obtenu mon moule. On peut voir que mon lingot d'or a été complètement consumé. Donc je l'ai perdu à jamais. C'est définitif. Adieu, lingot d'or. Ce fut un plaisir de te connaître. Bref, maintenant on peut poser notre moule à lingot ici et faire couler notre cuivre. On peut voir que ça fait un lingot de cuivre. On continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fait nos 8 lingots de cuivre. C'est assez basique comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je crois que je viens de valider la quête. Voilà, j'ai validé la quête, il fallait 2 lingots. Je vais les poser dans le monde et faire la technique de base que je vous ai citée précédemment. Hop. On fait ça jusqu'à la mort. Voilà. Donc voilà, je vous avoue qu'au début c'est un petit peu casse-couille de devoir faire tout ce processus à la main. C'est-à-dire casser à coups de marteau, faire fondre, récupérer les minerais, etc. Notre objectif, évidemment, ça va être d'automatiser tout ça le plus vite possible pour être tranquille. Pour pouvoir tout simplement justement se reposer, se détendre pendant que nos machines travailleront toutes seules. Voilà, ça c'est mon objectif personnel. J'ai envie que ça se passe comme ça. Du coup, on va s'orienter vers ça. Dans un aspect prioritaire, j'aurais voulu avoir beaucoup d'or, mais on n'a pas du tout beaucoup d'or. On commence même à être un petit peu... on est un petit peu juste en or. En fait, j'aimerais qu'on s'oriente vers...
des coffres un petit peu plus sympas. Donc, pas... Ah bah il n'y a pas... Ok, bon bah d'accord. Du coup, on va devoir s'orienter vers Compact Chest. Alors, si on regarde nos quêtes disponibles dans Storage Wars, notamment, on a la quête Compact Chest, dont je vous avais brièvement parlé, qui contient un bloc qui s'appelle le Builder. Alors, le Builder, voyons voir ce qu'il faut pour le fabriquer. Ah, c'est parfait, on peut le faire. Ok, donc du coup, on va le faire. Ça va être assez sympa, assez pratique. Alors, il nous faut des leviers, des leviers, deux leviers, un coffre, et on peut faire le builder. Hop, voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de cool. Je vais le poser ici. Donc, on peut voir que c'est un bloc tout à fait normal, tout à fait tranquille. Et quand on l'ouvre, hop, on peut voir qu'en fait, on a un certain nombre d'options qui s'offrent à nous. Alors, comme je vous l'ai dit, cet objet va nous permettre de fabriquer nos propres coffres. Donc, par fabriquer nos propres coffres, qu'est-ce que j'entends? C'est simple, ça va nous permettre de choisir les dimensions du coffre. La couleur, si on veut. Bon, c'est pas le truc le plus important, je vous l'avoue. Mais on peut le choisir. Et, potentiellement, on peut faire un sac à dos plutôt qu'un coffre. Donc, personnellement, je m'en fous, je préfère faire des coffres pour l'instant. Alors, évidemment, on va mettre ça au maximum possible. Donc voilà, 24 colonnes, 12 de haut. Et on peut voir ici qu'il nous faut 9 coffres, 32 lingots de fer, 32 barres de fer et 9 de clay, d'argile, pour pouvoir faire ce coffre. Alors, c'est pas donné. C'est pas donné, je suis complètement d'accord avec vous. C'est pas donné du tout. Mais c'est quelque chose qui va nous permettre en fait de remplacer ce coffre. Et puis après, une fois qu'on l'a, je pense qu'on est tranquille, quoi. Une fois qu'on a ce coffre, 24 x 12, ça fait 24 x 12, 264. Bon, plus de 264 cases disponibles. Donc du coup, ça nous fait du stockage pour des jours et des jours. Sachant que là on a à peine 6, 9, 6 x 9, 54 sauts disponibles. Donc c'est pas mal, mais si on pouvait le multiplier par 5, ce serait pas mal non plus. Hein, on cracherait pas dessus, n'est-ce pas? Du coup, le temps commence à avancer un petit peu. Je propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. Alors aujourd'hui, on aura pu faire cette fonderie qui nous permet de doubler nos minerais efficacement. Personnellement, ce que je vais faire entre les épisodes, ça va être comme d'habitude. Je vous épargne tout ce qui est récupération de ressources, parce que c'est pas du tout intéressant, hein, je veux dire. Me regarder casser de la cobblestone comme ça pendant 3 ans, puis ensuite la tamiser comme ça pendant 150 ans. Bon, je pense que ça vous intéresse pas, et en plus on a autre chose à foutre pendant les épisodes, je veux dire. J'ai pas envie que les épisodes durent 50 heures. Surtout 50 heures où il se passe rien. Du coup, je vais faire ça pendant les épisodes, je vais récupérer des ressources. Je pense que je vais faire un bon petit stock de ressources de base. Je vais sûrement les convertir directement en lingots, parce que même ça c'est assez long. Comme vous pouvez le voir, il faut que j'attende que ça coule, puis que j'attende que ça sèche, puis que je reclique, et puis que j'attende, etc. C'est fastidieux. Donc autant le faire hors caméra. Vu que vous vous en foutez, ce qui importe, c'est le résultat. Comme ça nous permettra, dans l'épisode suivant, de nous lancer et de pouvoir directement commencer les choses sérieuses, c'est-à-dire utiliser les ressources plutôt que les récupérer. Du coup, je vous laisse pour cet épisode 5. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans l'épisode 6 avec plein de ressources, plein de ressources, plein de nouveaux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!